tous, bon après-midi et bienvenue sur ma chaîne pour reprendre du Pass Effect Time en après-midi, comme on a l'habitude maintenant. Alors, j'ai un peu progressé depuis mon dernier stream, donc de mardi après-midi, sur le Discord des Gamers. J'ai un peu progressé dans quel sens? Bah, au niveau des gemmes, j'ai un peu perfectionné ma tempête de lame. J'ai perfectionné sang et sable et chair et pierre, donc je les ai mis ensemble, ce qui fait que je suis beaucoup plus optimisé au niveau du saignement. J'ai optimisé mon bon percutant avec renforcement et vitesse d'attaque. Donc, ce qui fait que bah, c'est déjà bien pour se déplacer, et en même temps, ça rajoute un petit DPS en plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Riposte, je l'ai augmenté avec donc mutilation et avec coup de grâce. Et dans l'ensemble, c'est à peu près tout ce que j'ai fait au niveau des gemmes. Au niveau des équipements, j'ai chopé une tabula sans m'en rendre compte tout de suite. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je sais pas si je peux l'utiliser sur ce personnage-ci. C'est un peu la question du stream d'aujourd'hui. J'ai déjà préparé mes deux joyaux que je vais mettre dans mon arbre de talent ici. Donc là, le prochain point, je vais le mettre sur technique vicieuse. Et ensuite, je vais mettre deux joyaux, certainement ce joyau aussi. Et pas celui-là, parce que ça, j'en ai pas besoin. Force, peut-être mettre le joyau ici en rajoutant un petit peu de force. Donc voilà, comme ça, ça me ferait mes deux joyaux. Il y en a un, c'est pour... donc, plus 1% de chance de bloquer. Je suis déjà à 50% de chance de bloquer en maniant deux armes, donc je passerai à 51. 4% de réduction du coup de mana des aptitudes, c'est pas trop mal, comme ça, je vais pouvoir me passer de mon flacon de mana, vu que j'ai mis une malédiction, j'ai mis la marque du seigneur de guerre, qui me permet de leash du mana, donc depuis que je l'ai installé, j'ai plus de soucis de mana. Donc ça c'est pas mal puisque ça draine 2% de mana au toucher, donc de tous les ennemis qui sont maudits. Et quand j'ai des gros packs en général et je vois qu'ils vont être un peu résistants, je le claque d'entrée de jeu et au niveau mana j'ai vraiment plus de soucis. Donc je vais partir sur... je vais retirer le flacon ici, juste garder le flacon de vie. Il me faudrait pour bien faire un flacon qui augmente mes chances de blocage. Je sais pas s'il en existe. Il faudrait que j'aille voir un peu sur le site. Donc voilà. Au niveau de la gemme, j'ai un peu réorganisé, j'ai gardé que les gemmes balles, plus celle-ci. Parce que j'aimerais bien peut-être éventuellement faire un build là-dessus, ça avait l'air sympa. Mon accumulation de cartes continue, donc ça c'est bien. Donc ici je sais plus comment ça s'appelle, enfin, les cartes ici et les cartes là, donc voilà. Donc c'est tout à fait précis, voilà. Donc ça s'accumule, on est en train de... Ouais, ici il faudrait que je pense à ranger parce que c'est un peu le foutoir. Donc voilà, ça c'est du bidouillage à faire hors stream. Alors ici donc on est à l'acte 10 maintenant, j'ai forcé un peu, hein. J'ai fait quelques offline pour pouvoir avancer, malheureusement j'ai pas avancé comme je voudrais. Ici je vais aller jusqu'à la toute fin, enfin presque la toute fin de l'acte 10 et juste avant le boss de fin j'irai faire mon labyrinthe. Comme ça bah au moins je serai déjà un peu plus haut level que le labyrinthe qui est level 65, puis 69. Donc on va continuer un peu la quête principale pour pouvoir justement arriver aux portes du boss de fin, aller claquer le labyrinthe, et puis aller poutrer le méchant. Et puis après on commencera la partie marrante. Et le tout, avec des températures relativement plus humaines.
s'arrêter là pour cet après-midi. J'ai encore 2-3 trucs à régler avant d'arriver en soirée. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci Black Fox pour le host. Thank you. Merci à Snip and Chips aussi. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Kiss. Merci à Meo. Ça fait toujours plaisir de vous voir passer de manière aussi.